Chapitre 21, l'attaque. Dès que Silver eut disparu, le capitaine, qui n'avait cessé de le surveiller, se retourna vers l'intérieur de la maison et constata que, sauf Gray, personne n'était à son poste. Ce fut la première fois que nous le vîmes réellement en colère. « À vos postes » rugit-il. Puis, quand nous eûmes regagné nos places, « Gray, je vous signalerai sur le journal de bord. Vous avez accompli votre devoir en vrai marin. Monsieur Trelawney, votre conduite m'étonne. Et vous, docteur ? Vous avez porté l'uniforme royal, je pense. Si c'est ainsi que vous serviez à Fontenoy, monsieur, vous auriez mieux fait ce jour-là de rester couché. » La bordée du docteur était retournée aux meurtrières. Les autres s'occupaient à charger les mousquets de réserve. Chacun était rouge et avait l'oreille basse. Le capitaine nous regarda une minute en silence, puis il reprit la parole. « Mes amis, j'ai envoyé une bordée à Silver. Je l'ai chauffé au rouge, à dessein. Avant que l'heure soit écoulée, comme il dit, nous serons attaqués. Ils ont la supériorité du nombre. » Inutile de vous le dire, mais nous combattrons à couvert. Il y a une minute, j'aurais ajouté, avec discipline. Nous les rosserons, si vous le voulez, j'en suis persuadé. Puis, il fit sa ronde, et vit, comme il disait, que tout était paré. Sur les deux petits côtés du fortin, à l'est et à l'ouest, il n'y avait que deux meurtrières. Du côté sud, où se trouvait l'entrée, deux également. Et du côté nord, cinq. Nous disposions pour nous sept d'une vingtaine de mousquets. On avait entassé le bois à brûler en quatre piles, formant des tables, une vers le milieu de chaque côté, et sur les tables se trouvaient disposés à portée des défenseurs des munitions, avec quatre mousquets chargés. Au centre s'alignaient les coutelas. « Renversez le feu, dit le capitaine. Le froid est passé et il ne nous faut pas de fumée dans les yeux. » La corbeille de fer fut emportée en un bloc par dehors, par M. Trelawney, qui dispersa les charbons dans le sable. Hawkins n'a pas eu à déjeuner. Hawkins, prenez votre portion et retournez la manger à votre poste. Vivement, donc, mon garçon. Ce n'est pas l'heure de traîner. Hunter, distribuez une tournée d'eau de vie à tout le monde. Et pendant que ses ordres s'exécutaient, le capitaine réglait dans sa tête le plan de défense. Docteur, vous occuperez la porte. Il faut que vous voyiez sans vous exposer. Tirez par le vestibule de l'intérieur. Hunter, prenez le côté est. Oui, celui-là. Joyce, restez à l'ouest, mon garçon. Monsieur Trelawney, vous êtes le meilleur tireur. Vous prendrez avec Gray le côté nord, aux cinq meurtrières. C'est là que se trouve le danger. S'ils parviennent jusque-là et qu'ils tirent sur nous par nos propres sabords, ça commence à se sentir mauvais. Hawkins, vous ne valez guère mieux que moi comme tireur. Nous resterons là, pour recharger. Prêtez main forte. Sur ces entrefaites, le froid était passé. Aussitôt, il eut dépassé notre enceinte d'arbres, le soleil dans sa force darda sur la clairière et but d'un trait les vapeurs. Bientôt le sable fut brûlant, la résine se liquéfia dans les troncs du blockhouse. On dépouilla vareuses et habits, on rabattit les cols des chemises, on retroussa les manches jusqu'aux épaules et nous attendîmes, là, chacun à son poste, enfiévrés par la chaleur et l'inquiétude. Une heure s'écoula. « Zut pour eux !» fit le capitaine. « On s'assomme ici plus que dans le poteau noir. Gray, sifflez pour faire venir le vent. » C'est alors que se manifestèrent les premiers symptômes de l'attaque. « Pardon, monsieur, dit Joyce, si je vois quelqu'un, dois-je tirer dessus ?»« Je vous l'ai déjà dit, s'impatienta le capitaine. »« Merci, monsieur, répliqua Joyce, avec la même politesse placide. » Il ne se produisit rien, tout d'abord. Mais la remarque nous avait tous mis en alerte. L'œil et l'oreille aux aguets, les mousquetaires soupesaient leurs fusils. Isolés au centre du blockhaus, le capitaine pinçait les lèvres d'un air soucieux. Quelques secondes passèrent. Soudain, Joyce épaula et fit feu. La détonation roulait encore que plusieurs autres lui répliquèrent en une décharge prolongée par coups successifs, venant à la file indienne, de tous côtés de l'enclos. Plusieurs balles frappèrent la maison de Rondin, mais pas une n'y pénétra. Quand la fumée se fut dissipée, la palanque et les bois d'alentour réapparurent, aussi tranquilles et déserts qu'auparavant. Pas une branche ne remuait, pas un canon de fusil ne luisait, qui eût révélé la présence de nos ennemis. « Avez-vous touché votre homme ? » demanda le capitaine. « Non, monsieur, répondit Joyce. Je ne crois pas, monsieur. »« Ça ressemble fort à la vérité, murmura le capitaine. « Chargez son fusil, Hawkins. Combien pensez-vous qu'ils étaient de votre côté, docteur ?»« Je puis le dire exactement. On a tiré trois coups de ce côté. J'ai vu les trois éclairs. Deux, tout près l'un de l'autre, et un plus à l'ouest. « Trois, répliqua le capitaine. Et combien de votre côté, Trelawney ?» Mais la réponse fut moins aisée. Il en était venu beaucoup du nord. 7 au compte du chevalier, 8 ou 9 suivant Gray. De l'est et de l'ouest, un seul coup. Il était donc évident que l'attaque viendrait du nord et que sur les trois autres côtés, nous n'aurions affaire qu'à un simulacre d'hostilité. Mais le capitaine Smollett ne modifia rien dans ses dispositions. Si les mutins, raisonnait-il, arrivaient à franchir la palanque, ils prendraient possession de toutes les meurtrières inoccupées et nous canarderaient comme des rats dans notre forteresse.
D'ailleurs, on ne nous laissa guère le temps de réfléchir. Poussant un violent hurrah, une minuscule nuée de pirates s'élança des bois côté nord et accourut droit à la palanque. En même temps, de derrière les arbres, la fusillade reprit, et un biscaïen traversant l'entrée fit voler en éclats le mousquet du docteur. Telle une bande de singes, les assaillants surgirent. Au haut de la clôture, le chevalier et Gray tirèrent coup sur coup. Trois hommes tombèrent. L'un tête la première dans le retranchement, deux à la renverse, au dehors. Mais l'un de ceux-ci était évidemment plus effrayé que blessé, car il se retrouva debout à la seconde et disparut aussitôt parmi les arbres. Deux ennemis avaient mordu la poussière, un était en fuite, quatre avaient réussi à prendre pied dans nos retranchements, et, à l'abri des bois, sept ou huit hommes, sans nul doute munis chacun de plusieurs mousquets, dirigeaient sur la maison de Rhonda un feu roulant. Yes. Les quatre qui avaient pénétré coururent droit devant eux vers le fortin, en poussant des clameurs que les hommes cachés par le bois renforçaient par des cris d'encouragement. On tira plusieurs coups, mais avec une telle précipitation qu'aucun ne porta. En un instant, les quatre pirates avaient gravi le monticule, et ils étaient sur nous. La tête de Job Anderson, le maître d'équipage, apparut à la meurtrière du milieu. « À eux, tout le monde, nous les avons » hurla-t-il d'une voix de tonnerre. Au même moment, un autre pirate empoigna par le canon le mousquet de Hunter, le lui arracha des mains, l'attira par la meurtrière, et d'un coup formidable, étendit sur le sol le pauvre garçon inanimé. Cependant, un troisième contourna la maison impunément, surgit soudain à l'entrée et se jeta, couteau levé, sur le docteur. La situation était complètement retournée. Une minute plus tôt, nous tirions abrités sur un ennemi à découvert. Maintenant, c'était à notre tour de nous voir sans abri, incapables de riposte. La maison de Roudin était pleine de fumée, ce à quoi nous devions une sécurité relative. Des cris tumultueux avec des détonations, des coups de pistolet et une plainte affreuse m'emplissaient les oreilles. « Dehors, garçon, dehors, et combattons à l'air libre ! L'écoute-là ! » ordonna le capitaine. J'empoignai un coutelas dans le tas. Quelqu'un qui en prenait un autre en même temps me fit sur les doigts une estafilade que je sentis à peine. Je m'élançai hors de la porte, à la lumière du soleil. Quelqu'un, j'ignore qui, me suivit de près, juste devant moi, au bas du monticule. Le docteur repoussait un assaillant. À l'instant où je jetai les yeux sur lui, il rabattait la lame de son ennemi et l'envoyait rouler, les quatre fers en l'air, une large entaille en travers du visage. « Faites le tour de la maison, garçon, faites le tour !» lança le capitaine. Et malgré le hurrah varié, je devinai à sa voix qu'il y avait du nouveau. J'obéis machinalement, obliqué à l'est, et couteau levé contournait en hâte l'angle de la maison. Tout aussitôt, je me trouvais face à face avec Anderson. Avec un grand hurlement, il leva en l'air sa hache qui flamboya au soleil, et je n'eus pas le loisir d'avoir peur, car en un clin d'œil, avant que le coup ne retombât, j'avais fait un bond de côté, et manquant le pied dans le sable mou, je roulais au bas de la pente, peut-être la première. Dès le premier instant où j'avais surgi de la porte, les autres mutins s'étaient déjà mis à escalader la palissade pour en finir avec nous. Un homme au bonnet rouge, le coutelas entre les dents, était même arrivé en haut et enjambait par-dessus. Or, entre ce moment-là et celui où je me retrouvais sur pied, il se passa si peu de temps que tous étaient encore dans la même posture. L'individu au bonnet rouge n'avait pas fini d'enjamber et un autre montait à peine sa tête par-dessus la rangée de pieux. Néanmoins, dans ce court intervalle, le combat avait pris fin et la victoire était à nous. Gray, qui me suivait de près, avait égorgé le gros maître d'équipage sans lui laisser le loisir de reprendre son équilibre. Un autre avait été frappé d'une balle comme tirée de la maison par une meurtrière et agonisait étendu sur le sol, tenant encore son pistolet fumant. Le docteur, comme je l'ai dit, en avait dépêché un troisième. Des quatre qui avaient escaladé la palissade, un seul restait indemne. Celui-ci, abandonnant son coutelas sur le champ de bataille, se hâtait de la repasser, entalonné par la peur de la mort. « Feu ! Feu de la maison !» commanda le docteur. « Et vous, garçon, retournez vous abriter !» Mais on ne l'entendit point. Personne ne tira, et le dernier agresseur put s'échapper sans mal et disparut dans le bois comme les autres. En 3 secondes, de toute la troupe des assaillants, il ne resta plus que 5 hommes tombés, 4 à l'intérieur et 1 à l'extérieur de la palanque. Le docteur, Gray et moi, nous courûmes au plus vite nous mettre à l'abri. Les survivants auraient bientôt regagné l'endroit où ils avaient laissé leurs mousquets et la fusillade pouvait reprendre d'un instant à l'autre. Dans la maison, la fumée était un peu éclaircie et nous vîmes d'un coup d'œil à quel prix nous avions acheté la victoire. Hunter gisait, assommé devant sa Joyce devant la sienne, une balle dans la tête, mobile à jamais. Tandis qu'au centre de la pièce, le chevalier soutenait le capitaine, aussi pâle que lui-même. « Le capitaine est blessé !» nous dit Trelawney. « Se sont-ils enfuis ?» demanda Monsieur Smollett. « Tous ceux qui l'ont pu, soyez-en sûrs, » répondit le docteur, « mais il y en a 5 qui ne courront plus jamais. » 5 ? S'écria le capitaine. Allons, il y a du progrès. 5-3 nous laisse 4 contre nous. La proportion est meilleure qu'au début. Nous étions alors 7-19. Ou du moins nous pensions, ce qui n'est pas mieux. 5e partie. Mon aventure en mer. Chapitre 22.
où commence mon aventure en mer. Les mutants ne revinrent pas à la charge, et ne nous arriva même plus un coup de fusil de la forêt. Ils en avaient pris pour leur dose ce jour-là, comme disait le capitaine. Nous eûmes toute la tranquillité nécessaire pour soigner les blessés et préparer le dîner. En dépit du danger, le chevalier m'aida à faire la cuisine dehors, et même là, nous avions la tête à demi perdue d'horreur, en entendant les plaintes affreuses des patients du docteur. Des 8 hommes tombés durant l'action, 3 seulement respiraient encore, à savoir pirate, frappé devant la meurtrière, Hunter et le capitaine Smollett. Les 2 premiers pouvaient être considérés comme perdus. Le mutant en effet trépassa sous le bistouri du docteur, et Hunter, en dépit de tous nos soins, ne reprit plus connaissance dans ce monde. Il languit tout le jour, respirant avec force, comme chez nous le vieux Forban lors de son attaque d'apoplexie. Il avait eu les os de la poitrine brisés sur le cou et le crâne fracturé dans sa chute. Au cours de la nuit suivante, sans un mot, sans un geste, il retourna vers nous. Quant au capitaine, ses blessures étaient graves, mais non dangereuses. Aucun organe n'était atteint irrémédiablement. La balle d'Anderson, qui avait tiré sur lui le premier, lui avait fracassé l'omoplate et atteint le poumon, mais légèrement. La seconde n'avait que déchiré et déplacé quelques muscles du mollet. Ne manquerait pas de guérir, estimait le docteur, mais à condition de rester des semaines sans marcher, ni remuer le bras, parlant le moins possible. L'estafilade sur les doigts due à mon accident n'était guère plus sérieuse qu'une piqûre de moustique. Le docteur Livesey me la couvrit d'un emplâtre et me tira les oreilles par-dessus. Après dîner, le chevalier et le médecin tinrent conseil un moment au chevet du capitaine. Ils eurent bavardé tous leurs sous, il était alors un peu plus de midi, le docteur prit son chapeau et ses pistolets, s'arma d'un coutelas, mit la carte dans sa poche et le mousquet sur son épaule, il franchit la palanque par le côté nord et d'un pas rapide s'enfonça sous les arbres. Je m'étais réfugié en compagnie de Gray, tout à l'extrémité du blockhaus, afin de ne pas entendre le conciliabule de nos chefs. Gray fut tellement ébahi par cette sortie qu'il retira sa pipe de sa bouche et oublia complètement de l'y replacer. « Mais, par maître Lucifer, est-ce que le docteur Livesey est fou ?»« Je ne pense pas, » répliquai-je. « Il serait le dernier de nous tous à le devenir, j'en suis sûr. » Eh bien, mon gars, reprit Gray, je me trompe peut-être, mais alors, si lui n'est pas fou, entends-tu bien, c'est moi qui le suis. Paris, répliquai-je, que le docteur a son idée. Si je ne me trompe, il s'en va maintenant rendre visite à Ben Gunn. Je ne me trompais pas. On le sut plus tard, mais en attendant, comme il faisait dans la maison une chaleur étouffante et que le sable à l'intérieur de l'enclos irradiait sous le soleil de midi, je conçus peu à peu une autre idée qui était loin d'être aussi juste. Je commençais par envier le docteur de marcher au frais dans l'ombre des bois, avec autour de lui le chant des oiseaux et la bonne senteur des pins, tandis que moi, j'étais à rôtir avec mes habits collés à la résine chaude au milieu de tout ce sang et entouré de tous ces tristes cadavres. Mon dégoût d'être là augmenta à tel point qu'il en devint presque de la terre. Tout le temps que je passais à nettoyer le blockhaus, puis à laver la vaisselle du dîner, ce dégoût et cette envie ne cessèrent de croître. Tant qu'à la fin, comme je me trouvais proche d'un sac à pain et que personne ne me regardait, je fis le premier pas vers mon escapade en remplissant de biscuits les 2 poches de ma vareuse. J'étais stupide si l'on veut, et certainement j'allais commettre une action insensée et téméraire, mais j'étais résolue à l'accomplir avec le maximum de chance en mon pouvoir. Ces biscuits, en cas d'imprévu, m'empêcheraient toujours de mourir de faim, jusque dans la soirée du lendemain. Ce dont je m'emparais ensuite fut une paire de pistolets, et comme j'avais déjà une poire de poudre et des balles, je m'estimais bien pourvue. Quant au plan que j'avais en tête, il n'était pas mauvais en soi. Je projetais de partir par la langue de sable qui sépare l'est, le mouillage de la haute mer, de gagner la roche blanche que m'avait indiqué le soir précédent, de vérifier si oui ou non c'était là que Ben Gunn cachait son canot, chose qui en valait bien la peine, je le crois encore, mais comme, sans nul doute, on ne me permettrait pas de quitter l'enclos, mon seul moyen était de prendre congé à la française. Et de profiter pour partir d'un moment où personne ne me verrait. C'était là une manière d'agir si fâcheuse qu'elle rendait la chose coupable radicalement. Mais je n'étais qu'un gamin, je ne mordis pas. Justement, les circonstances me fournirent une occasion admirable. Le chevalier était occupé avec Gray à renouveler les pansements du capitaine. Moi était libre. Je filais comme un trait, franchis la palanque et m'enfonçais au plus épais des arbres. Quand mes compagnons s'aperçurent de mon absence, j'étais déjà. Ce fut là ma seconde folie, bien pire que la première, car je ne me laissais que 2 hommes valides pour garder le fortin. Comme la première, elle contribua à notre salut commun. Je me dirigeais droit vers la côte est de l'île, car j'avais résolu de longer la langue de sable par le côté de la mer pour éviter toute chance d'être aperçu du mouillage.
Bien que le soleil fût encore chaud, il était déjà tard dans l'après-midi. En me glissant parmi la futaie, j'entendais au loin devant moi le tonnerre continuel des brisants. En outre, un bruissement de feuilles et les grincements de branches caractéristiques m'annonçaient que la brise de mer s'était levée plus forte qu'à l'ordinaire. Bientôt, des bouffées d'air frais arrivèrent jusqu'à moi, et quelques pas plus loin, j'atteignis la lisière du bois et vis la mer qui s'étalait, bleue et ensoleillée jusqu'à l'horizon, et le ressac qui déferlait, écumant tout le long de la côte. Je n'avais jamais vu la mer paisible autour de l'île au trésor. Que le soleil flamboyât au zénith, que l'air, sans un souffle, et l'eau, ailleurs, lisse et bleue, malgré tout, ces grandes lames déferlantes tonnaient jour et nuit tout le long du rivage extérieur. On ne croit pas qu'il y eût un seul point de l'île où l'on pût ne pas entendre ce. Je m'avançais en longeant les brisants d'un pas fort allègre. Quand je me crus arrivé assez loin dans le sud, je mis à profit le couvert de quelques épais buissons et me glissais précautionneusement jusque sur la crête de la langue de terre. J'avais derrière moi la mer, en face le mouillage. Comme si elle s'était épuisée plutôt que d'habitude par sa violence inusitée, la brise de mer tombait déjà. Il s'élevait à sa place un vent léger et instable, variant du sud au sud-est, qui amenait de grands bancs de brume, et le mouillage abrité par l'îlot du squelette était lisse, plombé comme au jour de notre arrivée. Dans ce miroir sans rides, l'Hispaniola se reflétait exactement depuis la paume des mâts jusqu'à la flottaison, y compris le Jolly Roger qui pendait à ses vergues d'artimon. Le long du bord flottait une des yoles, commandée par Silver. Lui, je le reconnaissais toujours. Vers qui se penchaient, appuyés au bastingage arrière, deux hommes dont l'un, en bonnet rouge, était ce même scélérat que j'avais vu quelques heures auparavant à califourchon sur la palissade. Probablement ils causaient et riaient, mais à cette distance, plus d'un mile, je ne pouvais, cela va de soi, entendre un mot de ce qu'ils disaient. Tout à coup retentirent des hurlements affreux, inhumains, qui me terrifièrent tout d'abord, mais j'eus au fait de reconnaître la voix du capitaine Flint, et je crus même, à son brillant plumage, distinguer l'oiseau posé sur le point de son maître. Peu après, le canot démarra, nageant vers le rivage, et l'homme au bonnet rouge disparut avec son camarade par le haut d'échelle. Presque au même moment, le soleil se coucha derrière la longue vue, et comme la brume s'épaississait rapidement, le crépuscule commença à tomber. Je n'avais pas de temps à perdre si je voulais découvrir le bateau ce soir-là. La roche blanche, très visible au-dessus de la brousse, était encore bien à 200 toises plus loin sur la langue de terre. Il me fallut un bon moment pour l'atteindre, en rampant, la plupart du temps à quatre pattes, parmi le hallier. La nuit était presque tombée quand je posai la main sur son flanc rugueux, et juste au-dessous, à son pied, il y avait un minuscule creux de gazon vert, masqué par les rebords et par une épaisse végétation, qui me venait à mi-jambe. Au milieu du trou, une petite tente en peau de chèvre, comme celle que les bohémiens transportent avec eux. Je sautai dans l'excavation, soulevai le pan de tente et vis le canot de Ben Gunn. Cette pirogue, rustique au possible, consistait en une carcasse de bois brut, grossière, de forme biscornue, avec tendu par-dessus un revêtement de peau de chèvre, le poil en dedans. L'esquif était fort petit, même pour moi, et je crois difficilement qu'il aurait porté un adulte. Il renfermait un banc placé aussi bas que possible, une sorte de marchepied de nage à l'avant, et une pagaie double en guise de propulseur. À cette époque-là, je n'avais pas encore vu de coracle, le bateau des anciens bretons. Mais j'en ai vu un depuis, et je peux donner une meilleure idée de la pirogue de Ben Gunn qu'en disant qu'elle ressemblait au premier et pire coracle qui soit jamais sorti de la main de l'homme. Mais elle possédait à coup sûr le grand avantage du coracle, car elle était extrêmement légère. Or, maintenant que j'avais trouvé le canot, on va peut-être croire que je pouvais borner là mes exploits, mais entre-temps j'avais formé un autre projet dont j'étais si obstinément féru que je l'aurais exécuté, je crois, même au nez et à la barbe du capitaine Smollett. C'était de me faufiler à la faveur de la nuit jusqu'à l'Hispaniola, de la jeter en dérive et de la laisser aller. On lui semblerait. Je tenais pour évident que les mutins, après leur échec de la matinée, n'auraient rien de plus pressé que de lever l'ancre et de prendre le large. Ce serait, pensais-je, un beau coup de les en empêcher, et comme je venais de voir qu'ils laissaient des gardiens du navire dépourvus d'embarcation, je croyais pouvoir exécuter mon projet sans grand risque. Je m'assis à terre pour attendre l'obscurité et manger mon biscuit de bon appétit. C'était pour mon dessein une nuit propice entre mille. Le brouillard couvrait maintenant tout le ciel. Quand les dernières lueurs du jour eurent disparu, les ténèbres complètes ensevelirent l'île au trésor, et quand enfin je pris le coracle sur mon épaule et me hissai péniblement hors du creux où j'avais soupé, il n'y avait plus dans tout le mouillage que deux points visibles. L'un
était le grand feu du rivage autour duquel les pirates vaincus faisaient carousse. L'autre, simple tache de lumière sur l'obscurité, m'indiquait la position du navire à l'ancre. Celui-ci avait tourné avec le reflux et me présentait maintenant son avant. Et comme il n'y avait de lumière à bord que dans la cabine, ce que je voyais était uniquement le reflet sur le brouillard des vifs rayons de la fenêtre de poupe. La marée baissait déjà depuis quelque temps et je dus patauger à travers un long banc de sable détrempé où j'enfonçais plusieurs fois jusqu'à l'eau, jusqu'au-dessus de la cheville, avant d'arriver au bord de la mer descendante. Je m'y avançais de quelques pas et avec un peu de force et d'adresse, déposais mon corail, la quille par en bas, surface de l'eau. Chapitre 23. Marée descend. Le coracle, comme j'eus maintes raisons de le savoir avant d'être quitte de lui, était, pour quelqu'un de ma taille et de mon poids, un bateau très sûr, à la fois léger, tenant bien la mer. Mais cette embarcation biscornue était des plus difficiles à conduire. On avait beau faire, elle se bornait la plupart du temps à dériver, et en fait de manœuvre, elle ne savait guère que tourner en rond. Ben Gunn lui-même avait admis qu'elle était d'un maniement pas très commode tant qu'on ne connaissait pas ses habitudes. Évidemment que je ne les connaissais pas. On est dans toutes les directions, sauf celle où je voulais aller. La plupart du temps, nous marchions par le travers, et il est certain que sans la marée, je n'aurais jamais atteint le navire. Par bonheur, de quelque manière que je pagayasse, la marée m'emportait toujours, et l'Hispaniola était là-bas, juste dans le bon chemin. Je ne pouvais pas la manquer. Tout d'abord, elle surgit devant moi, comme une tache d'un noir plus foncé que les ténèbres, puis ses mâts et sa coque se profilèrent peu à peu, et en un instant, car le courant du reflux devenait plus fort à mesure que j'avançais, je me trouvais à côté de son amarre que j'empoignais. L'amarre était bandée comme la corde d'un arc, tant le navire tirait sur son ancre. Tout autour de la coque, dans l'obscurité, le clapotis du courant bouillonnait et babillait comme un petit torrent de montagne. Un coup de mon coutelas, et l'Hispaniola serait partie. Hante. C'était très joli, mais je me rappelais à temps que le choc d'une amarre bandée que l'on coupe net est aussi dangereux qu'une ruade de cheval. Il y avait 10 à parier contre 1 que si j'avais la témérité de couper le câble de l'Hispaniola, je serais projeté en l'air du même coup avec mon coracle. Je me butais donc là contre, et sans une nouvelle faveur spéciale du hasard, il m'eût fallu abandonner mon projet. Mais la légère brise qui soufflait tout à l'heure d'entre sud et sud-est avait tourné au sud-ouest après la tombée de la nuit. Au beau milieu de mes réflexions, survint une bouffée qui saisit l'Hispaniola et la refoula à contre-courant. Ma grande joie, je sentis la mare mollir sous mon poing, et ma main dont je la tenais plongea sous l'eau pendant une seconde. Là-dessus, ma décision fut prise, je tirai mon coutelas, l'ouvris avec les dents et coupai successivement les torrents du câble jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que 2 pour maintenir le navire. Je m'arrêtai alors, attendant pour trancher ces derniers que leur tension fût de nouveau relâchée par un souffle de vent. Pendant tout ce temps-là, j'avais entendu le grand bruit de voix qui venait de la cabine. Mais à vrai dire, j'étais si occupée à d'autres pensées que je n'y prêtais guère l'oreille. Mais à cette heure, n'ayant rien d'autre à faire, je commençais à leur accorder plus d'attention. L'une de ces voix était celle du quartier-maître Israël Hans, l'ex-canonnier de Flint. L'autre appartenait comme de juste à mon bon ami au bonnet rouge. Les deux hommes en étaient manifestement au pire degré de l'ivresse. Ils buvaient toujours. Car, tandis que j'écoutais, l'un d'eux, avec une exclamation d'ivrogne, ouvrit la fenêtre de poupe et jeta dehors un objet que je devinais être une bouteille vide. Mais ils n'étaient pas seulement ivres, ils étaient aussi évidemment dans une furieuse colère. Les jurons volaient, drus comme une grêle, et de temps à autre, il survenait une explosion telle que je ne m'attendais à en voir dégénérer en coups. Chaque fois, la querelle s'apaisait et le diapason des voix retombait pour un instant, jusqu'à la crise suivante. Il passait à son tour sans. À terre, entre les arbres du rivage, je pouvais voir s'élever les hautes flammes du grand feu de campement. Quelqu'un chantait une vieille complainte de marin, triste et monotone, avec un trémolo à la fin de chaque couplet, qui devait finir, semblait-il, qu'avec la patience du chanteur. Je l'avais entendu plusieurs fois durant mon voyage, et je me rappelais ces mots. Un seul survivant de tout l'équipage qui avait pris la mer au nombre de 75. Et je me dis qu'un tel refrain n'était que trop fâcheusement approprié à une bande qui avait subi de telles pertes. Mais à ce que je voyais, tous ces forbans étaient aussi insensibles que la mer où ils naviguaient. Finalement, la brise survint, la goélette se déplaça doucement dans l'ombre, se rapprocha de moi, je sentis la mare mollir à nouveau, et d'un bond et d'un solide effort, je tranchai les dernières fibres. La brise n'avait que peu d'action sur le coracle, et je fus presque immédiatement plaqué contre l'étrave de l'Hispaniola. En même temps, une lente giration, la goélette se mit à virer. Cap pour cap. Je me démenais en diable car je m'attendais à sombrer d'un moment à l'autre. Quand j'eus constaté que je ne pouvais m'éloigner d'emblée
De mon coracle, je poussai droit vers l'arrière. Je me vis enfin libéré de ce dangereux voisinage et je donnais tout juste la dernière impulsion quand mes mains rencontrèrent un mince cordage qui pendait du gaillard d'arrière. Aussitôt, je l'empoignai. Quel motif m'y incita, je l'ignore. Ce fut en premier lieu un instinct pur, mais une fois que je lui saisis et qu'il tint bon, ma curiosité prit peu à peu le dessus et je me déterminai à jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cabine. Me hissant sur le cordage, à la force des poignets, et non sans danger, je me mis presque debout dans la pirogue, et pus ainsi découvrir le plafond de la cabine et une partie de son intérieur. Cependant, la goélette et sa petite conserve filaient sur l'eau à bonne vitesse. En fait, nous étions déjà arrivés à la hauteur du feu de campement. Le bateau jasait, comme disent les marins, assez fort, refoulant avec un incessant bouillonnement les innombrables rides du capotis, si bien qu'avant d'avoir l'œil par-dessus le rebord de la fenêtre, je ne pouvais comprendre comment les hommes de garde n'avaient pas déjà pris la lame. Mais un regard me suffit, et de cet instable esquif, un regard fut d'ailleurs tout ce que j'osais me permettre, il me montra Hans et son compagnon, enlacés dans une mortelle étreinte, se serrant la gorge réciproquement. Je me laissai retomber sur le banc, mais juste à temps, car j'étais presque par-dessus bord. Pour un instant, je ne vis plus rien d'autre que ces deux faces haineuses et cramoisies, oscillant à la fois sous la lampe fumeuse. Je fermai les paupières, si mes yeux seraient accoutumés aux ténèbres. L'interminable mélopée avait pris fin. Et autour du feu de campement, toute la troupe décimée avait entonné le chœur que je connaissais trop. Question 15 sur le coffre du mort, yo-ho, une bouteille. La boisson et le diable ont expédié les autres, yo-ho, et une bouteille. J'étais en train de songer à l'œuvre que la boisson et le diable accomplissaient en ce moment même dans la cabine de l'Hispaniola, lorsque je fus surpris par un soudain coup de roulis du coracle. Au même instant, il fit une violente embardée et parut changer de direction. Sa vitesse aussi avait augmenté singulièrement. J'ouvris les yeux aussitôt. Tout autour de moi, des petites rides se hérissaient de crêtes bruissantes et légèrement phosphorescentes. À quelques brasses, l'Espagnola elle-même, qui m'entraînait encore dans son sillage, semblait hésiter sur la direction et je vis ses mâts se balancer légèrement sur la noirceur de la nuit. En y regardant mieux, je m'assurais aussi qu'elle virait vers le sud. Je tournai la tête et mon cœur bondit dans ma poitrine. Là, jusque derrière moi, se trouvait la lueur du feu de campement. Le courant avait obliqué à angle droit et emportait avec lui la majestueuse goélette et le petit coracle bondissant, toujours plus vite, toujours à plus gros bouillon, toujours avec un plus fort murmure, filé à travers la passe, vers la haute mer. Soudain, la goélette fit devant moi une embardée et vira peut-être 20 degrés. Presque au même moment, des appels se succédèrent à bord. J'entendis les pas marteler l'échelle du capot et je compris que les deux ivrognes, enfin éveillés au sentiment de la catastrophe, avaient interrompu leur querelle. Je me couchai à plat dans le fond du misérable esquif et pieusement, je recommandai mon âme au Créateur. Au bout de la passe, nous ne pouvions manquer de tomber sur quelques lignes de brise en furieux qui mettraient fin à tous mes soucis. Bien que j'eusse peut-être la force de mourir, je supportais mal d'envisager mon sort par avance. Il est probable que je restais ainsi des heures, continuellement ballotté sur les lames, aspergé par les embruns, ne cessant d'attendre la mort au prochain point. Peu à peu, la fatigue m'envahit. Un engourdissement, une stupeur passagère accabla mon âme en dépit de mes terreurs. Le sommeil me prit. Dans mon coracle ballotté par les flots, je rêvais de mon pays, vieil amiral Benbow. Chapitre 24. La croisière du coracle. Il faisait grand jour lorsque je m'éveillais et me trouvais voguant à l'extrémité sud-ouest de l'île au trésor. Le soleil était levé, mais encore caché pour moi derrière la haute masse de la Longue-Vue, qui de ce côté descendait presque jusqu'à la mer en falaise formidable. La pointe Isla Bouline et le mont Madartimon étaient tout proches. La montagne grise et dénudée, la pointe ceinte de falaises de 40 à 50 pieds de haut et bordée de gros blocs de rochers éboulés. J'étais à peine à un quart de mile au large et ma première pensée fut de pagayer vers la terre et d'aborder. Ce projet fut vite abandonné. Parmi les pierres tombées, le ressac écumait, grondait. Avec des chocs violents, les lourdes lames jaillissaient, s'écroulaient, se succédant de seconde en seconde. Et je prévis que si je m'aventurais plus près, je serais roulé à mort sur cette côte sauvage ou m'épuiserais en vain en effort pour escalader les rocs sur. Et ce n'était pas tout, car, rampant de compagnie à la surface des tables rocheuses, ou se laissant tomber dans la mer à grand bruit, j'aperçus d'énormes monstres limoneux. Des sortes de limaces, mais d'une grosseur démesurée, par deux ou trois douzaines à la fois, faisaient retentir les échos de leurs aboiements. J'ai su depuis que c'était des lions de mer, entièrement inoffensifs, mais à leur aspect, joint à la difficulté du rivage et à la violence du ressac, était plus que suffisant pour me dégoûter d'atterrir là. Je trouvais préférable de mourir de faim en mer plutôt que d'affronter semblable péril.
Cependant, j'avais devant moi une meilleure chance à ce que je croyais. Au nord du cap Islaboulin, sur un espace considérable de côte, la marée basse découvre une longue bande de sable jaune. En outre, plus au nord, se présente encore un autre promontoire, le cap des Bois, d'après la carte, revêtu de grands pins verts qui descendent jusqu'à la limite des flots. Je me rappelais que le courant, au dire de Silver, portait au nord sur toute la côte ouest de l'île au trésor, et voyant d'après ma position que j'étais déjà sous son influence, je résolus de laisser derrière moi le cap Islaboulin et de réserver mes forces pour tenter d'aborder sur le cap des Bois, plus engageant d'aspect. Il y avait sur la mer une longue et tranquille houle. Le vent soufflait doucement et continuellement du sud, sans nul autre antagoniste, entre le courant et lui, et les lames s'élevaient et s'abaissaient sans déferler. En tout autre cas, j'eusse péri depuis longtemps. Mais dans ces conditions, j'étais étonnée de voir combien facile et sûre était la marche de ma petite et légère pirogue. Souvent, alors que je me tenais encore couchée au fond et risquais seulement un œil par-dessus le plat-bord, je voyais une grosse éminence bleue se dresser, proche et menaçante. Mais le coracle ne faisait que bondir un peu, danser comme sur des ressorts, et s'enfoncer de l'autre côté dans le creux, si légèrement qu'un oiseau. Je ne tardais pas à m'enhardir et m'assis pour éprouver mon adresse à pagaille. Le plus petit changement dans la répartition du poids produisait de violentes perturbations dans l'allure du coracle, et j'avais à peine fait un mouvement que le canot, abandonnant du coup son délicat balancement, se précipita d'emblée au bas d'une pente d'eau si abrupte qu'elle me donna le vertige, et alla, dans un jet d'écume, piquer du nez profondément dans le flanc de la lame suivante. Tout trempé et terrifié, je me rejetai au plus vite dans ma position primitive, ce qui me parut rendre aussitôt ses esprits au coracle, et me mena parmi les lames aussi doucement qu'auparavant. Il était clair qu'il ne fallait pas le contrarier, mais à cette allure, puisque je ne pouvais en aucune façon influencer sa course, quel espoir avais-je d'atteindre la terre ? Une peur atroce m'envahit, mais malgré tout, je gardais ma raison. D'abord, me mouvant avec une grande précaution, j'écopais le coracle à l'aide de mon bonnet de marin. Puis, jetant l'œil à nouveau par-dessus le plat-bord, je me mis à étudier comment faisait mon esquif pour se glisser si tranquillement parmi les lames. Je découvris que chaque vague, au lieu d'être cette éminence épaisse, lisse et luisante qu'elle paraît du rivage ou du pont d'un navire, était absolument pareille à une chaîne de montagnes terrestres, avec ses pics, ses plateaux, ses vallées. Le coracle, livré à lui-même, virant d'un bord à l'autre, s'enfilait pour ainsi dire parmi les régions les plus basses, évitait les pentes escarpées et les points culminants de la vague. « Allons, me dis-je, il est clair que je dois rester où je suis et ne pas déranger l'équilibre. Mais il est clair aussi que je ne puis passer la pagaie par-dessus bord, et de temps à autre, dans les endroits unis, donner quelques coups vers la terre. » Sitôt pensé, sitôt réalisé, je me mis sur les coudes et dans cette position très gênante, donnais de temps à autre un ou deux coups, pour orienter l'avant vers la terre. C'était un travail harassant, fastidieux. Toutefois, je gagnais visiblement du terrain, et en approchant du cap des Bois, je vis qu'à la vérité, je devais manquer infailliblement cette pointe, mais que cependant, j'avais fait quelques 100 brasses vers l'est. J'étais, en tout cas, fort près de terre. Je pouvais voir les cimes des arbres, vertes et fraîches, se balancer à la fois sous la brise, et j'étais assurée de pouvoir aborder sans faute au promontoire suivant. Il était grand temps, car la soif commençait à me tourmenter. L'éclat du soleil par en haut, sa réverbération sur les ondes de l'eau de mer, qui retombait et séchait sur moi, m'enduisait les lèvres de sel, combinait pour me parcheminer la gorge et m'endormir la tête. La vue des arbres si proches me rendit presque malade d'impatience, mais le courant eut au fait de m'emporter au loin, au-delà de la pointe, et quand la nouvelle étendue de mer s'ouvrit devant moi, j'aperçus un objet qui changea la nature de mes soucis. Droit devant moi, à au moins un demi-mile, je vis l'Hispaniola, sous voile. Malgré ma certitude d'être pris, je souffrais si fort du manque d'eau, et je ne savais plus si je devais me réjouir ou m'attrister de cette perspective. Mais bien avant d'en être arrivé à une conclusion, la surprise me posséda entièrement, et je devins incapable de faire autre chose que de regarder et de m'ébahir. L'Hispaniola était sous sa grand-voile, et ses deux focs, belles toiles blanches, éclataient au soleil comme de la neige ou de l'argent. Quand je la vis tout d'abord, toutes ses voiles portaient, elles faisaient route vers le nord-ouest. Je présumais que les hommes qui la montaient faisaient le tour de l'île pour regagner le mouillage. Bientôt, elle appuya de plus en plus à l'ouest, je fais croire qu'ils m'avaient aperçu et allaient me donner la chasse. Mais à la fin, elle tomba, en plein dans le lit du vent, puis repoussée en arrière, et resta là, un moment, inerte, les voiles battantes. Les maladroits, me dis-je, il faut qu'ils soient sous comme des bruits, et je m'imaginais comment le capitaine Smollett les aurait fait manœuvrer. Pendant la goélette, abattit peu à peu, et, entreprenant une nouvelle bordée, vogua rapidement, une minute ou deux, pour s'arrêter une fois encore en plein dans le lit du vent.
Cela se renouvela à plusieurs reprises. De droite et de gauche, en long, en large, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, l'Espagnola naviguait par grands coups zigzagants, et à chaque répétition finissait comme elle avait débuté, avec les voiles battant paresseusement. Il devint clair pour moi que personne ne la gouvernait. Et dans cette hypothèse, que faisaient les hommes? Bien, ils étaient ivres morts, ou ils avaient déserté, pensais-je. Peut-être, si je pouvais arriver à bord, me serait-il possible de rendre le navire à son capitaine? Le courant chassait vers le sud à une même vitesse le coracle et la goélette. Quant aux bordées de cette dernière, elles étaient si incohérentes et si passagères que le navire s'arrêtait si longtemps entre chacune qu'il ne gagnait certainement pas, mais si même il ne perdait. Il me suffisait d'oser m'asseoir et pagayer pour le rattraper à coup sûr. Ce projet avait un aspect aventureux qui me séduisait, et le souvenir de la caisse à eau près du gaillard d'avant redoublait mon nouveau courage. Je me dressai donc, fus accueilli presque aussitôt par un nuage d'embrun, mais cette fois je n'en démordis pas, et me mis de toutes mes forces, et avec prudence, à pagayer à la poursuite de l'Espagnola en dérive. Une fois, j'embarquai un si gros coup de mer que j'ai dû m'arrêter pour écoper, le cœur palpitant comme celui d'un oiseau. Peu à peu, je trouvai la manière, guidai mon coracle parmi les vagues, sans plus de tracas que de temps en temps une gifle d'eau sur mon avant et un jet d'écume dans ma figure. À 7 heures, je gagnai rapidement sur la goélette. Je ne voir les cuivres briller sur la barre du gouvernail quand elle tapait de côté, et cependant pas une âme ne montait sur le pont. Je ne pouvais plus douter qu'elle fût abandonnée, ou sinon les hommes ronflaient en bas, ivres morts, et je pourrais sans doute les mettre hors d'état de nuire et disposer à ma guise du bâtiment. Depuis un moment, l'Espagnola se comportait aussi mal que possible de mon point de vue. Elle avait le cap presque en plein sud, sans cesser bien entendu de faire tout le temps des embardées. Chaque fois elle abattait ses voiles, se gonflait en partie et l'emportait à nouveau pour une minute droit au vent. Pour moi le pire, comme je l'ai dit, car bien que livrée à elle-même dans cette situation, ses voiles battant avec un bruit de canon et ses poulies roulant et se cognant sur le pont, la goélette néanmoins continuait à s'éloigner de moi, et à la vitesse du courant, elle ajoutait toute celle de sa dérive, qui était considérable. Enfin, la chance me favorisa. Pour une minute, la brise tomba presque à rien. Le courant agissant par degrés, l'Espagnola tourna lentement sur son axe et finit par me présenter sa poupe, avec la fenêtre grande ouverte de la cabine où la lampe brûlait encore sur la table malgré le plein jour. La grand voile, inerte, pendait comme un drapeau. À part le courant, le navire restait immobile. Pendant quelques dernières minutes, ma distance s'était accrue. Mais je redoublais d'efforts et commençais une fois de plus à gagner le bâtiment. Je n'étais plus qu'à 50 brasses de lui quand une brusque bouffée de vent survint. Le navire partit bâbord, à mur, et de nouveau s'enfuit au loin, penché et rasant l'eau comme une hirondelle. Ma première impulsion fut de désespérer, mais la seconde inclina vers la joie. La goélette évita jusqu'à me présenter son travers, et évita jusqu'à couvrir la moitié, puis les deux tiers, puis les trois quarts de la distance qui nous séparait. Les vagues bouillonnantes écumaient sur son étrave. Vue d'en bas, dans mon coracle, elle me semblait démesurément haute. Et alors, tout soudain, je me rendis compte du danger. Je n'eus pas le temps de réfléchir non plus que d'agir pour me sauver. J'étais sur le sommet d'une ondulation quand, dévalant de la pluie voisine, la goélette fondit sur moi. Son beaupré arriva au-dessus de ma tête et je me levai d'un bond, m'élançai vers lui en voyant le coracle sous l'eau. D'une main, je m'accrochais au bout dehors de foc, tandis que mon pied se logeait entre la draille et le bras, et j'étais encore cramponné là, tout pendelant, lorsqu'un choc sourd m'apprit que la goélette venait d'absorber et de broyer le coracle, et que je me trouvais jeté sur l'Espagnola. Chapitre 25. J'amène le Jolly Roger. J'avais à peine pris position sur le beaupré que le clin foc battit et reprit le vent, changeant dans ses armures, avec une détonation pareille à un coup de canon. Sous le choc de la renverse, la goélette trembla jusqu'à la quille, mais au bout d'un instant, comme les autres voiles portaient encore, le foc revint battre de nouveau et pendit paresseusement. La secousse m'avait presque lancé à la mer. Aussi, sans perdre de temps, je rampais le long du beaupré, culbutais sur le pont, la tête la première. Je me trouvais sous le vent du gaillard d'avant, et la grand voile qui portait encore me cachait une partie du arrière. Il n'y avait personne en vue. Le plancher non balayé depuis la révolte gardait de nombreuses traces de pas, et une bouteille vide au col brisé se démenait, çà et là, dans les dalles, comme un être doué de vie. Soudain, l'Espagnola prit le vent en plein. Les focs derrière moi claquèrent avec violence. Le gouvernail se rabattit. Un frémissement sinistre secoua le navire tout entier. Et au même instant, le guide Artimon revint en dedans du bord et la voile, grinçant sous les drisses, me découvrit le côté sous le vent du pont arrière. Les deux gardiens étaient là. Bonnet rouge, étendu sur le dos, raide comme un anspect. Les deux bras étalés comme ceux d'un crucifix et les lèvres entrouvertes dans un rictus qui lui découvrait les dents. Israël Hans,
à côté au bastingage, le menton sur la poitrine, les mains ouvertes à plat devant lui sur le pont, le visage sous son hâle aussi blanc qu'une chandelle de suif. Un moment, le navire se débattit et se coucha comme un cheval vicieux. Les voiles tiraient tantôt d'un bord, tantôt de l'autre, et le gui, ballant de ci, de là, faisait grincer le mât sous l'effort. De temps à autre, un nuage d'embrun jaillissait par-dessus le bastingage, et l'avant du navire piquait violemment dans la lame. Ce grand voilier se comportait beaucoup plus mal que mon coracle rustique et biscornu après le fond de l'eau. À chaque sursaut de la goélette, Bonnet Rouge glissait de côté et d'autre, mais, chose hideuse à voir, ni sa posture, ni le rictus qui lui couvrait les dents n'étaient modifiés par ses déplacements brutaux. À chaque sursaut également, on voyait Hans s'affaisser davantage sur lui-même, s'aplatir sur le pont. Ses pieds glissaient toujours plus loin, tout son corps s'inclinait vers la poupe, de sorte que petit à petit son visage me fut caché, et je n'en vis plus à la fin qu'une oreille et le bout hirsute d'un favori. À ce moment, je remarquai autour d'eux des taches de sang sur le plancher. Je commençais à croire que les deux ivrognes s'étaient massacrés l'un l'autre dans leur fureur homicide. Je regardais ce spectacle avec étonnement lorsque, dans un intervalle de calme où le navire se tenait tranquille, Israël Hans se tourna à demi et, avec un gémissement sourd, en se tortillant, reprit la position dans laquelle je l'avais vu d'abord. Son gémissement, qui décelait une douleur et une faiblesse extrêmes, et la vue de sa mâchoire pendante, émurent ma compassion. Mais en me remémorant les propos que j'avais, oui, cachés dans ma barrique de pommes, toute pitié m'abandonna. Je m'avançai jusqu'au grand mât. « Embarquez, maître Hans, » dis-je, ironique. Il roula vers moi des yeux mornes, mais il était bien trop abruti pour exprimer de la surprise. Il se borna à émettre ce souhait. « Eau de vie !» Je comprenais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Esquivant le gui qui balayait de nouveau le pont, je courus à l'arrière et descendis par le capot d'échelle dans la cabine. Il y régnait un désordre difficile à imaginer. Tout ce qui fermait à clé, on l'avait tout ouvert de force pour y rechercher la carte. Il y avait sur le plancher une couche de boue aux endroits où les forbans s'étaient assis pour boire ou délibérer après avoir pataugé dans le marais avoisinant leur camp. Sur les cloisons peintes d'un beau blanc et encadrées de moulures dorées, s'étalaient des empreintes de mains sales. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins au roulis du navire. Un des livres médicaux du docteur restait ouvert sur la table. On en avait arraché la moitié des feuillets pour allumer des pipes, je suppose. Au milieu de tout cela, la lampe jetait encore une lueur fumeuse et obscure d'un brin de terre de sienne. Je passai dans le cellier. Tous les tonneaux avaient disparu et un nombre stupéfiant de bouteilles avaient été bu, à même et rejetées sur place. Sûr, depuis le début de la mutinerie, pas un de ces hommes n'avait dégrisé. En fourrageant ça et là, je trouvai une bouteille qui contenait encore un fond d'eau de vie. Je la pris pour Hans et pour moi-même, je dénichai quelques biscuits, des fruits en conserve, une grosse grappe de raisin et un morceau de fromage. Muni de ces provisions, je regagnai le pont, déposai ma réserve à moi derrière la tête du gouvernail et sans passer à portée du quartier maître, gagnai l'avant où je bus à la citerne une longue et délicieuse goulée d'eau. Alors, mais pas avant, je passai à Hans son eau de vie. Il en but bien un quart de pinte avant de retirer la bouteille de sa bouche. Eh, crétonnerre, j'en avais besoin, dit-il. Pour moi, assis dans mon coin, j'avais déjà commencé à manger. Fort blessé ? Lui demandai-je. Il grogna, ou je devrais plutôt dire, il aboya. Si ce docteur était à bord, je serais remis sur pied en un rien de temps. Je n'ai pas de chance, vois-tu, moi, et c'est ce qui me désole. Quant à ce sagouin-là, il est mort, bien mort, ajouta-t-il en désignant l'homme au bonnet rouge. Ce n'est pas un marin, d'ailleurs. Et d'où diantre peux-tu sortir ? Je suis venu à bord pour prendre possession de ce navire, maître Hans, et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes prié de me considérer comme votre capitaine. Il me regarda, non sans amertume, mais ne dit un mot. Un peu de couleur lui était revenue aux joues, bien qu'il parût encore très défait, et qu'il continua à glisser et à retomber selon les oscillations du navire. À propos, continuai-je, je ne veux pas de ce pavillon, maître Hans, et avec votre permission, je m'en vais l'amener. Mieux vaut rien du tout que celui-là. Et esquivant de nouveau le gui, je courus aux drisses de pavillon, amenai ce maudit drapeau noir que je lançai par-dessus bord. « Dieu protège le roi !» m'exclamai-je en agitant mon bonnet. « C'en est fini du capitaine Silver !» Il m'observait attentivement, mais à la dérobée, et sans enlever le menton de sa poitrine. « J'ai une idée, » dit-il enfin. « J'ai idée, capitaine Hawkins, que tu aimerais bien aller à terre maintenant. Nous causons, veux-tu ?»« Mais oui, » répliquai-je très volontiers, maître Hans, dites toujours. » Et je me remis à manger de bon appétit. Cet homme, commença-t-il avec un faible signe de tête vers le cadavre, s'appelait O'Brien, une brute d'Irlandais. Cet homme et moi, nous avons mis les voiles dans l'intention de ramener le navire. Et bien maintenant qu'il est mort, lui est bien mort, on ne voit pas qui va faire la manœuvre sur le bâtiment.
Si je te donne pas quelques conseils, tu n'en seras pas capable. Voilà tout ce que je peux dire. Eh bien voici. Tu me donneras nourriture et boisson, et un vieux foulard ou un mouchoir pour bander ma blessure. Hein. Et je t'indique la manœuvre. Une proposition bien carrée, je suppose. Je vous annonce une chose, répliquai-je. C'est que je ne retourne pas au mouillage du capitaine Kidd. Je veux aller dans la baie du Nord. Nous échouer là, tranquillement. J'en étais sûr, s'écria-t-il. Au fond, tu sais, je ne suis pas tellement une andouille. Je me rends compte, pas vrai. J'ai tenté mon coup. Eh bien, j'ai perdu. C'est toi qui as le dessus. La baie du Nord, soit. Pas le choix, moi. Je t'aiderai à nous mener jusqu'au quai des Potences, crétonnerre. C'est positif. La proposition ne me parut pas dénuée de sens. Nous conclûmes le marché sur le champ. 3 minutes plus tard, l'Espagnola voguait, paisiblement, vent arrière, et longeait la côte de l'île au trésor. J'avais bon espoir de doubler sa pointe nord avant midi et de louvoyer ensuite jusqu'à la baie du Nord, avant la marée haute, afin de nous échouer en paix et d'attendre la marée descendante qui nous permit de débarquer. J'amarrai alors la barre et descendis chercher mon coffre personnel pour un mouchoir de soie fine donné par ma mère. Je m'en servis pour aider Hans à bander la large blessure saignante qu'il avait reçue à la cuisse. Après avoir mangé un peu et avalé quelques gorgées d'eau-de-vie, il commença à se remonter visiblement. Il se tint plus droit, parla plus haut, plus net. Parut un tout autre homme. La brise nous servait admirablement. Nous filions devant elle comme un oiseau. Les côtes de l'île défilaient comme l'éclair et le paysage se renouvelait sans cesse. Les hautes terres furent bientôt dépassées. Nous courûmes grand largue le long d'une contrée basse et sablonneuse, parsemée de quelques pins rabougris, au-delà desquels nous doublâmes une pointe de collines rocheuses qui formait l'extrémité de l'île, au nord. J'étais tout transporté par mon nouveau commandement et je prenais plaisir au temps clair et ensoleillé aux aspects divers de la côte. J'avais désormais de l'eau à la discrétion et de bonnes choses à manger, et la superbe conquête que je venais de faire apaisait ma conscience. On m'avait cruellement reproché ma désertion, il ne me restait plus rien à désirer. N'eussent été les yeux du quartier maître qui me suivaient ironiquement par tout le pont et l'inquiétant sourire qui se jouait continuellement sur son visage. Ce sourire contenait un mélange de souffrance, de faiblesse, comme le sourire hébété d'un vieillard, mais il y avait en outre dans son air un grain de moquerie, une ombre astucieuse de traîtrise. Tandis que de son coin il me guettait, et me guettait sans relâche. Travailler.